Trésor, mémoire de radio, présente. Treceors, mémoire de radio, présente. Thirteenors, mémoire de radio, présente. Dreizehnors, mémoire de radio, présente. Bonsoir. Il est humoriste, satiriste, écrivain, chroniqueur radio. Il a fait les beaux jours de la télévision, notamment avec le Bébête Show. J'ai le plaisir de recevoir le grand 1m96, Jean Amadou. Bonsoir Jean. Bonsoir. C'est difficile hein, de résumer tout ce que vous êtes, toutes vos activités. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Trublion ? Ça vous oui, oui, saltimbanque. Saltimbanque est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il englobe toute une profession qui va du funambule, après tout, peut-être même à l'avocat. Et ce sont des gens qui sont toujours en équilibre et qui ne tiennent que par miracle. Et au fond, les saltimbanques ne tiennent que parce que le public les aime ou les apprécie. Le jour où le public cesse de les apprécier, ils disparaissent. Alors, peut-être trublion, mais je suis pas forcément un trublion. Je suis quelqu'un qui essaie de faire rire, finalement, avec ce qui est censé ennuyer les gens. Pourquoi vous faites ce métier-là? Oh, je fais ce métier parce que j'ai eu envie de le faire. Mais je suis comédien au départ. Mmh. Au départ, je suis lyonnais, je prends des cours de comédie, ça me plaît, c'est un milieu qui m'intéresse. Je suis grand, je suis 1m96, j'ai une voix grave. Je me dis, bon, ben, j'ai une voix toute tracée, il me semble que je vais à la Comédie Française tout droit et je vais jouer Pyrrhus et Néron et ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Voilà. Donc, je suis arrivé à Paris, on montait à Paris, on monte toujours d'ailleurs à Paris. Avec les dents de Rastignac et puis bon, j'ai joué quelques pièces de théâtre à Paris, mais finalement quand je jouais un rôle intéressant, ça durait 30 représentations légales, et quand j'avais 3 répliques, on faisait un an avec la pièce, et là j'avais beaucoup de temps à passer dans ma loge, et comme j'écrivais des petits trucs, un jour je me suis présenté au théâtre de 10h, qui était à ce moment-là la Comédie Française des Chansonniers, il y avait Poiret et Serrault, Maurice Sorgue, Anne-Marie Carrière, enfin ce qu'on appelait le Robert Rocca, le gratin de la profession. Et j'ai été engagé à l'essai pour 3 mois et j'y suis resté 14 ans. Donc voilà, les choses se font de cette façon. C'est dans ce métier, au fond, ce sont des rencontres et des coups de chance et des hasards, puis aussi du travail, bien sûr, et de la ténacité. Alors vous êtes un observateur assidu de la société, puis de la politique, dont vous dites que vous vivez sans en faire. Vous êtes tous les soirs au Théâtre des Deux Ânes à Paris. Vous venez de sortir ce livre, Vos pensées, oui. Jean Amadou. Moi, je voudrais savoir comment ça se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous gratte? Est-ce que ça vous démange? Est-ce qu'il faut dénoncer? Il faut moquer? Il faut égratigner? Là, à l'intérieur de Jean Amadou, c'est comment? C'est relativement bien organisé, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu organisé. Quoique je sois quelqu'un d'extrêmement, employons le mot, même s'il est vulgaire, je suis très bordélique, hein, je veux dire. Donc, c'est-à-dire que je n'ai aucun ordre. Ma table de bureau ressemble à un champ de bataille, tel que devait être Waterloo le matin du 19 juin, ça doit être ça. Les papiers sont partout, il y en a par terre. Donc, je sais jamais où j'ai posé les trucs. Je sais qu'à un moment donné, ça revient. Vous savez, des choses remontent quand je perds un papier, je sais qu'à un moment donné, il va ressortir de la masse et repasser à la surface et que je vais le retrouver. Donc, je m'affole pas. Mais quand même, il faut être relativement organisé. Donc, il n'y a pas d'expansion. Je sais ce que j'ai à faire, je fais pas mal de choses, j'arrive à me reposer d'une chose en faisant une autre. Mm-hmm. Au fond, je vais vous dire, Emmanuel, je suis un feignant qui s'est mis à travailler, et il n'y a rien de pire que les feignants qui se mettent à travailler, parce que c'est une horreur. Après, ça devient une drogue, et je ne sais même plus me reposer sans culpabiliser. C'est dramatique, hein. Ça veut dire que vous ne faites plus qu'un entre vous et Jean Amadou, Saltimbanque, c'est finalement qu'une seule et même personne, vous êtes toujours en train de... Oui, il y a une osmose entre le Saltimbanque et ma personnalité, mais c'est vrai que comme j'ai touché à beaucoup de choses et que je touche à beaucoup de choses, bon, finalement, je finis par faire quelque chose
J'écris, par exemple, si j'écris un bouquin, ça me détend d'être sur scène tous les soirs. Si je suis sur scène tous les soirs, ça me détend d'être à la télé ou à la radio. Mmh. Donc tout ça s'organise assez bien. C'est une question de timing, comme on dit dans ce joli patois de la Sarthe, le timing, vous savez. Mmh. C'est joli, le timing. Non, c'est pas, c'est j'ai, pas j'ai très du mal joli, avec non. les mots, un peu. C'est pour ça que je regrette de l'avoir employé. Vous avez un avis sur tout, mais jamais n'importe quoi. Mais est-ce qu'il y a des fois des sujets qui vous laissent quoi? Vraiment, vous n'avez pas d'avis. Est-ce que ça vous arrive, ça? Ah oui, il y a des choses qui... Quoi C'est difficile de donner des exemples. Il y a des choses qui me laissent... Mais quand je suis surpris, quand je suis comme ça, étonné, comme le sont beaucoup de Français devant des situations, au lieu de m'énerver, si vous voulez, ou de me dire, bon, je vais monter sur mon cheval, déployer ma bannière et essayer... Non. J'essaie de voir le côté comique de la chose. Il y a toujours un côté comique dans les choses, sauf si ce sont des événements évidemment dramatiques, auquel cas c'est autre chose, parce que j'adore l'humour noir, mais je ne le pratique pas beaucoup parce que c'est pas mon truc, et que je sais pas faire, et que je n'ai jamais essayé dans la vie de faire des choses que je ne savais pas faire. J'essaie toujours de faire ce que je sais faire. Il y a un très beau proverbe anglais qui dit ça, « Faites ce que vous savez faire ». Et en France, on a tellement de gens qui essaient de faire ce qu'ils ne savent pas faire que finalement, on s'en aperçoit. Parce qu'à la limite, ça commence à un moment donné à déborder. Et j'essaie d'en sourire, si vous voulez. Bon, vous entendez aujourd'hui, dans cette période où on vit, des déclarations fracassantes des gens qui sont là. Il faut essayer de regarder ça avec un air un petit peu détaché, parce que sinon, alors, on use son énergie à essayer de... Si je me trouve pris dans un groupe de manifestants, je ne vais pas essayer de désengueuler parce qu'ils me barrent la route. Je vais essayer de prendre mon temps et d'écouter la radio sans essayer d'agresser. Je crois que d'essayer de se battre contre des murs, ça ne sert à rien. Il faut essayer de décontourner les obstacles. Il faut toujours, quand on arrive devant quelque chose qu'on ne peut pas passer, il faut essayer de voir s'il n'y a pas un chemin à côté qui vous permette de passer derrière. Si vous ne faisiez pas du tout ce métier-là, si qu'on résume à saltimbanque, vous feriez quoi? Ah, il y a une position que j'aurais adoré, je veux dire, une position, un métier que j'aurais adoré, c'est l'archéologie. J'adore ça. Je crois que passer sa vie avec un pinceau et une petite cuillère à dégager des trucs, ça, je trouve ça formidable. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de me trouver sur un lieu d'archéologie, et il y en a que j'ai visité, il y en a un côté merveilleux, à côté de Béziers, que les Européens connaissent très peu, qui est un des plus beaux sites d'Europe, qui s'appelle Nissan-les-Anciennes-Runes, c'est à 10 km de Béziers, entre Béziers et Narbonne. Vous avez trois civilisations l'une sur l'autre, dans un endroit formidable. Je crois que c'est un métier qui m'aurait passionné. Je ne suis pas allé voir les ruines de Troie qui ont été découvertes par Schliemann, et je le regrette. Mais j'ai visité quelques chantiers archéologiques et aujourd'hui, ce qui se passe à Pompéi, par exemple, ou à Éphèse, ou même en France, quand on découvre quelque chose, ils sont là, ils grattent avec leur pinceau. Je trouve ça épatant. C'est un métier qui m'aurait beaucoup intéressé. L'invité est lédonien. Alors rassurez-vous, ce n'est pas une maladie grave. Non, non, ça veut juste dire qu'il est né dans la très jolie ville jurassienne de Lons-le-Saunier, ville qu'il a vite quittée pour Lyon où il a grandi. C'est donc un parfum d'enfance qui flotte dans VIP. Jean Amadou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc né un 1er octobre 1929 à Lons-le-Saunier. Mais c'est très jurassien, Amadou, comme nom. Non, mais c'est le nom évidemment de mon père. Et mon père, lui, était de Béziers. C'est une famille de Languedociens qui a épousé une jurassienne, donc je porte le nom, évidemment, un nom méridional, mais je suis né à Lons. J'ai quand même beaucoup de sang méridional dans les veines, et il y a une espèce de bagarre qui fait que il se trouve que j'aime quand même beaucoup le rugby, que j'aime beaucoup de choses qui se font dans le midi, que je commence à être, que j'aime la chaleur, donc je commence à être bien à la porteur de Montélimar. Mais bon, je crois que j'ai quand même un peu... le sang des Léoniens, c'est quand même, vous savez, le fameux comptoir Antoine et ni ma foi, qui est l'orgueil des Franc-Comtois, je crois que je l'ai un petit peu en moi quand même. Puis je connais tellement bien cette région du Jura, qui est une région relativement méconnue, parce que les touristes souvent la traversent et ne font pas l'effort de s'y arrêter, avec
J'ai connu ça très très jeune. J'y retourne, le lac de Bonlieu, la cascade du Hérisson, les lacs de Clairvaux, Saint-Laurent-du-Jura, Pont-de-Poitou, où j'ai passé mes vacances à pêcher au bord de l'Ain. Donc je connais bien cette région qui est magnifique et que les touristes devraient visiter davantage. Alors là, vous prêchez une convaincue. Ça signifie quoi, Amadou, alors, en langue d'Ossien? Amadou, ça veut dire aimer. Et c'est l'adjectif aimer en langue d'Ossien et en provençal et donc en langue d'Ossien qui a donné comme racine amato, amator, amado. Il y en a beaucoup. Et il y a dans Mireille de Mistral un vers qui dit oh Magali ma tante amado. Et ma tante amado, c'est ma tante aimée. Bon, ça fait un peu, excusez-moi, on a dû vous le dire souvent, mais ça fait un peu africain quand même. Ça fait un peu africain parce que, mais moi, je me suis rendu compte, en effet, qu'en Afrique, il y en a énormément. Ah, avec oui. Un H, sans H, avec un T à la fin, avec un S. Mais j'ai un truc extraordinaire. La première fois où je suis allé en Afrique noire, j'y suis allé assez souvent parce que on a beaucoup travaillé à une époque sur le golfe de Guinée. Aujourd'hui, malheureusement, on peut pas aller faire un métier de saltimbanque dans des pays qui ne sont pas les pays démocratiques. Mais à l'époque, je suis allé beaucoup en Côte d'Ivoire, je suis allé, au Congo, dans ces endroits-là. Et le premier voyage que j'ai fait, je suis arrivé à Abidjan, après 7 heures de vol à l'hôtel Ivoire, j'ai mis ma fille le petit déjeuner parce qu'on répétait le lendemain matin, je me suis mis la couette jusque-là parce que avec la clim, donc c'était l'horreur, et à 7 heures, on a tapé à ma porte, et le serveur noir est rentré avec mon plateau de petit déjeuner. Et ça a donné ça, moi j'étais sous la couette, il me fallait « Tu t'appelles Amadou, patron ?» J'ai dit oui, moi aussi. Il a posé le plateau et il s'est cassé. Et ça m'a fait un choc quand même. Le premier contact avec l'Afrique noire, ça m'a fait un choc. Alors après, j'en ai vu à Niamey, il y en a des milliers. Et, mais bon, il n'y a pas de correspondance, sinon une correspondance phonétique. Alors vous avez grandi à Lyon. Si Lyon vous évoquait un parfum, ce serait quel parfum? Ah, c'est une ville que j'aime beaucoup. D'abord parce que c'est la ville de mon enfance et de mon adolescence. On ne vit pas 20 ans impunément dans une ville. Ensuite, parce que c'est la plus belle ville de France après Paris, il n'y a pas photo. Je souscris. C'est vrai, je veux dire, le quartier Saint-Jean, le Fourvière, la Croix-Rousse, le quartier d'Ainay, c'est une ville magnifique, Lyon. Et puis en plus, parce qu'il y a une... D'abord, parce que c'est une ville gastronomique et que j'aime ça, et que j'ai mes adresses à Lyon, et vous avez les vôtres aussi, et ça doit être les mêmes, vraisemblablement. Quand on va manger au Café des Fédérations, on sait au moins ce qu'il y en a dans l'assiette, et quand on sort, on en a pour l'argent qu'on a donné, parce qu'on mange bien dans cette ville. Et puis, il y a une mentalité lyonnaise que j'aime, et puis je suis un supporter de l'OL, on est champion de France cette année. Enfin bref, vous voyez, je ne vous ferai pas de détails, mais je retourne toujours à Lyon avec un plaisir immense. D'abord, parce que quand j'y passe, je m'arrête, et je vais faire mes cours chez les charcutiers lyonnais, parce que qui n'a pas vu une charcuterie à Lyon ne sait pas ce que c'est qu'une charcuterie. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Un bon Jésus. Vous étiez quel genre d'enfant, vous? Déjà très malicieux, très... Pardon? Vous étiez quel genre d'enfant? Très malicieux, déjà très monté sur un ressort? Oui, j'ai été assez, je pense, assez turbulent. La preuve, donc, j'ai fait des études secondaires qui ont été extrêmement médiocres, puisque j'ai pas eu mon bac, j'ai ni mon bac, ni rien, mais pas de brevet, j'ai aucun diplôme. Et ils n'ont pas voulu me le donner, donc je me suis fait foutre à la porte du lycée Ampère, foutre à la porte du lycée du Parc, ils n'ont pas voulu de moi, très bien, je suis parti. J'étais assez turbulent, j'étais pas un enfant j'étais pas monté sur ressort, mais il paraît que déjà à l'époque, j'essayais de faire rire mes camarades, ce qui était très très, très très mal vu dans des établissements à cette époque-là. Je pense qu'aujourd'hui ça a changé, mais à cette époque-là, c'était mal vu. Hein. Vous avez un souvenir que vous pourriez nous raconter, alors soit de l'époque lyonnaise, soit... Un souvenir qui vous a marqué ou qui vous fait rire, qui vous fait peut-être rire jaune. Un souvenir de cette époque, écoutez, les souvenirs que j'ai de cette époque, ce sont que j'avais 14 ans, la libération, moi. Donc, ce sont des choses fortes. Je me souviens de l'entrée des trois premières jeeps dans l'Onsonnier, l'avant-garde de l'armée américaine qui remontait sur Belfort. C'est, pour un gamin de cette époque, c'est quand même un choc extraordinaire. Les Allemands avaient évacué la ville 2 jours avant. On est resté 2 jours sans savoir ce qui allait se passer. Et j'ai un souvenir de Lyon à la Libération. C'est une ville, c'était extraordinaire de penser que tous les ponts de Lyon ont sauté à la Libération. Tous les ponts sur le Rhône et tous les ponts sur la Saône. Et donc, la ville était coupée en trois. La Presqu'île, la rive droite et la rive gauche. Avec un seul pont, c'est le pont Wilson, où il restait une chaussée de 2 mètres comme ça, où on passait 2 heures dans un sens et 2 heures dans l'autre. Ce sont quand même des moments qui m'ont marqué, je veux dire, cette époque de la libération. Et je me souviens aussi que je me suis réveillé un matin, ma mère m'a réveillé pour aller au lycée, et c'était le 6 juin 44, et je me souviens très bien qu'elle m'a dit « les Américains ont débarqué ». Et je crois que ce choc qui s'est passé dans toute l'Europe, ce jour-là, on ne pourra jamais l'oublier. Jamais, je veux dire, parce que le 6 juin 44, même à Auschwitz, sur l'appel, ils le savaient
Et peut-être ce jour-là, l'appel a été moins dur. Alors pour terminer, vous êtes président d'honneur d'une association liée à l'enfance. Oui, Enfants de cœur. Enfants de cœur. Vous pouvez nous en parler de petits mots sur cette association ? Il y a beaucoup de gens qui se sont... Il y a un concert qui va être donné à Vienne, où il y a Muriel Robin. Enfin, des tas de gens vont venir. Donc, fin juin. Fin juin. Le 3 juin, c'est ça le... Fin 26 juin, il me semble. Le 26 juin. J'ai pas la date dans la tête parce que je l'ai noté. On va y aller. Et je crois que bon, c'est une chose qu'il faut... C'est bien qu'il y ait de plus en plus d'associations comme ça qui où des bénévoles s'occupent de ce genre de choses, de ces gamins qui sont un peu déshérités, qui sont malades. Et chaque fois qu'on peut le faire, il faut le faire. Et quand on peut apporter... C'est rien hein, d'apporter la petite obole de sa présence ou de son nom. Mmh. Bon ben, il faut le faire et je le fais avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'enthousiasme. Et beaucoup de cœur, a priori. Je le fais comme je peux, mais je le fais avec beaucoup de sincérité en tout cas. Merci beaucoup, Jean. Amadou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, l'idée d'un Dieu créateur vous est totalement étrangère. Comment vous expliquez l'existence humaine alors ? Vous savez, je suis pas... Il faut faire une grande différence entre agnostique et athée. Je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Donc moi je suis agnostique, c'est-à-dire que, vous voyez, je suis issu d'une vieille famille radicale socialiste de l'Hérault. Il faut se reporter... Au début du siècle précédent, si vous voulez, 1902, la loi de séparation et de l'Église, le petit père Combes, tout ça. Bon, donc, à cette époque-là, c'est vrai qu'il y avait, dans certains endroits et dans certaines régions de France, une espèce de dicton qui disait, c'était la religion, l'Église catholique ou la République, mais pas les deux à la fois. Et c'est vrai qu'il y avait un antagonisme entre les deux à cet instant extrêmement violent. Antagonisme qui a disparu d'ailleurs à la guerre de 14, parce que, bon, tous ces mecs qui bouffaient du curé toute la journée se sont aperçus finalement que les prêtres qu'ils avaient avec eux dans les tranchées étaient des hommes bienveillants, généreux, qui savaient aussi prendre des risques, etc. Et ça s'est atténué. Et qu'aujourd'hui, l'Église catholique, par rapport à ce, si vous voulez, à ce débat, n'est plus du tout, en effet, le danger, parce qu'il y a vraiment l'antagonisme. Donc, je suis né dans une famille comme ça. Donc, mon grand-père pas baptisé, mon père pas baptisé, moi pas baptisé, ma fille pas baptisée. Après tout, en se disant, soyons libérales, et puisque n'imposons pas une religion à un enfant de 6 mois en trempant dans l'eau, quand elle aura, ma fille, ou quand mon père a dit, quand tu auras 15, 16, 17, 18 ans, si d'un seul coup tu veux entrer dans la religion catholique ou une autre, ben tu le fais. Tu choisis, mais entre-temps tu auras lu Rousseau, Voltaire, Renan et tout ça. Donc voilà, c'est ça le principe. Et bon, truc aussi. Maintenant, en ce qui concerne l'athéisme, c'est une chose tout à fait différente. Je pense pas qu'on soit là par hasard, voilà, si vous voulez. Je pense pas qu'on soit comme ça par hasard et que donc il y a quelque chose. Alors, et ça c'est très difficile de définir. Donc j'essaie de, comme j'ai essayé de lire beaucoup, et je pense que je serais presque nietzschéen dans ce domaine, c'est-à-dire que je crois un peu à la déité de l'homme. Je crois que c'est la réunion de toute une des bonnes volontés qui finit par faire une puissance supérieure. On n'a pas le temps de rentrer beaucoup dans les détails, mais il y a des je crois à quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais vous savez cette phrase merveilleuse, il disait, le hasard, ce nom que Dieu donne pour faire croire aux gens qu'il n'existe pas. C'est superbe ça. Bon, le hasard, c'est vrai qu'il y a des coïncidences, c'est vrai qu'il y a des choses étonnantes, c'est vrai qu'il y a des, comment dirais-je, des sciences inexactes, comme on dit, où on commence à avoir des visions. C'est vrai qu'il y a des événements qui vous frappent et qui vous disent, il se passe quelque chose. C'est vrai aussi que j'ai un côté sceptique et que les deux sont toujours en conflit.
Et si votre fille vous avait dit, voilà, papa, je vais me faire baptiser, vous auriez... Aucun problème. Ah oui. Aucun problème. J'aurais jamais, je me serais jamais permis d'aller contre sa volonté à ce moment-là. À partir du moment où elle prenait une décision, si elle a voulu rentrer dans les ordres, elle s'est rentrée dans les ordres, je veux dire. Et pas une seconde, je ne me serais opposé à ça, parce que c'est la liberté individuelle qui me paraît être très, très important. Comme si j'avais dit à mon père, moi, à l'âge de 17 ans, je vais devenir protestant ou je vais devenir musulman. Mmh. Bon, il m'aurait dit très bien. On a eu toujours dans ma famille cette espèce de laisser la liberté, tout en étant assez strict quand même sur l'éducation des gamins, de laisser la liberté à partir d'un certain moment. Et quand j'ai choisi de faire le métier de saltimbanque, mon père, qui était quand même très sceptique sur le fait qu'on puisse en vivre, s'y est pas opposé, et je trouve ça formidable. On va admettre que Dieu existe, oui. Si vous voulez bien, et vous avez l'occasion de lui adresser une prière. Oui. Vous lui diriez quoi ? Eh bien, je vais vous étonner, cher Emmanuel, je le laisserai tranquille. Il a tellement de prières, toute la journée, tout le temps, venant, qui montent à lui, aidez-moi à faire ça, faites ci, donnez tous les jours notre pain quotidien, que de temps en temps, ce serait bien que les gens se débrouillent par eux-mêmes, essaient de gagner leur pain par eux-mêmes, ne s'adressent pas toujours à lui quand ils ont un problème, et essaient de le résoudre eux-mêmes. Alors, je pense que si j'avais une prière, je ne la ferais pas, je le laisserais tranquille, et ça va l'étonner qu'on le laisse tranquille, parce qu'il est beaucoup sollicité. Mais en même temps, vous partez tout de suite sur une prière de demande, ça peut être des prières de remerciement aussi. Oui, mais justement, si vous ne demandez rien, vous n'avez pas de remerciement à faire. Oui. Oui. Et est-ce que vous faites partie de ces gens qui pensent que Dieu aurait mis sa toute puissance dans les hommes et que c'est un petit peu aux hommes de se débrouiller ? Non, je pense qu'il faut qu'on compte un peu sur nous aussi, même si la puissance supérieure dont on parlait est là, qu'on compte sur nous, qu'on ne soit pas tout le temps en train de tourner vers lui en disant « essayez de nous arranger ce coup-là, s'il vous plaît ». C'est à nous à le faire. Je dis « nous », la race humaine ou les hommes et ça. Et en même temps, je pense que c'est un travail colossal, ce qu'il a à faire, à gérer tout ça, c'est épouvantable, je veux dire, avec des millions d'individus, ne serait-ce que déjà 60 millions de Français dont pas un est d'accord avec les autres, c'est-à-dire que ce pays est ingouvernable. Alors, quand on a la puissance tutélaire, de temps en temps, il doit se dire, bon, mais quand même, ils sont fatigants quand même. Et c'est vrai qu'on est fatigant. Alors, quand on gère 2 milliards d'individus, c'est très difficile. Moi, je veux vous dire, la religion catholique est une religion étonnante que je connais assez bien. J'ai lu la Bible, donc j'ai lu tout ça. S'il y avait une religion que je devais prendre, si j'étais obligé, l'épée dans les reins de religion, je prendrais la religion des anciens Grecs. C'est formidable. D'abord, il y avait plusieurs dieux, ils étaient gentils comme tout, ils descendaient sur terre s'occuper des humains. Quand ils voyaient une belle fille, Zeus, il descendait tout de suite pour s'en occuper, il lui faisait un gamin. Ils vivaient sur l'Olympe, mais ils avaient les défauts des humains, ils buvaient. C'est une religion formidable, avec Athéna, Zeus, Mercure, c'était des gens formidables. Je ne sais pas si le monothéisme est une très très bonne idée finalement. Il va falloir créer votre religion pour y être. Ah oui, moi j'aurais vécu au temps de la Grèce antique, j'aurais adoré ça. L'invité est un bon vivant qui aime rire et sait merveilleusement se moquer des petits travers de ses contemporains. Mais peut-on rire de tout, et notamment de la mort ? C'est la question que je vais lui poser. Alors vous qui savez si bien mettre le doigt là où ça fait mal, est-ce qu'on peut rire de la mort ? On en a ri beaucoup, hein ? On en a beaucoup ri de la mort, et c'est une manière de l'exorciser d'ailleurs, d'en rire, bien sûr. Et ce qu'on appelle l'humour noir, et surtout l'humour noir qui est surtout cultivé par les anglo-saxons, par les anglais, les américains, il y a eu des gens célèbres, des dessins à foison. C'est moins français ou gaulois, si je puis dire, parce que on n'a pas le même genre d'humour. Moi j'adore l'humour anglo-saxon, qui est un humour un peu détacher les choses, si vous voulez, et rire de la mort, oui, à la limite, on peut. Moi, je sais pas très très bien faire ça, comme je vous le disais dans la première émission qu'on a faite, l'humour noir, c'est pas tout à fait. J'adore, mais c'est pas mon truc. Je sais pas le faire, alors donc je le fais pas. Mais oui, on doit pouvoir vraisemblablement rire de la mort. C'est
Jean-Yann disait cette chose extraordinaire, il disait « réussir sa vie c'est bien, mais ce qui est formidable ce serait de rater sa mort ». Malheureusement il n'a pas raté la sienne et tout le monde le déplore. Alors on sait que c'est un bon, on va y arriver, que ça nous arrivera à tous, c'est bien, c'est un terme, comme le loyer d'ailleurs. D'ailleurs ils ont, c'est les mêmes termes, regardez, il faut payer son loyer, il faut mourir à un moment donné. D'ailleurs vous avez remarqué que les deux termes sont les mêmes. Un terme, on est en loyer, c'est un terme, et on met un terme à sa vie. C'est un peu pareil. Bon, on va pas, de toute façon, faut pas y penser sans arrêt sous prétexte qu'un jour ça va nous arriver. Faut essayer de profiter des choses au maximum. Moi, je commence à arriver dans un âge où je vois disparaître des gens qui me sont chers, parce que bon, c'est la loi de la vie. Et, mais tant que je les aime et tant que je sais quand j'en parlerai et tant qu'ils existent grâce à moi ou grâce aux ceux qui les ont connus, ils sont pas morts. Ce qui est terrible, c'est la mort anonyme, c'est celui qui ne laisse rien derrière lui, même pas une pierre tombale. Je veux dire, moi, j'en laisserai pas parce que je serai incinéré, la mort, bon, pas très bien. Il faut l'accepter comme elle est. Un jour, ça va venir, eh ben que ça vienne. Puis il faut essayer de penser peut-être à son mot final. Vous savez, dire je crois que c'est Barbet d'Aurevilly qui, au moment de mourir, a dit. Je m'en souviendrai de cette planète, ce qui est une phrase formidable. Vous direz quoi, vous, alors ? Écoutez, je vous promets qu'on vous enverra mon dernier mot, mais je ne vais pas y penser maintenant, puisqu'en plus, le mot de ça ne veut rien dire. Goethe est mort en disant « mehr Licht », plus de lumière, mais est-ce qu'il voulait dire qu'il fallait que les philosophies soient plus éclairées, ou est-ce qu'il voulait qu'on ouvre la fenêtre ? On ne sait pas, je veux dire. Mais je vous promets que j'en ferai un, je suis sûr, mais je n'y ai pas encore pensé. Et au fur et à mesure que vous avancez en âge, vous êtes plutôt serein ou au contraire, vous avez quand même un petit peu peur ? Ah non, je suis complètement serein. Non, j'ai pas peur parce que ça sert à rien d'avoir peur, je veux dire. Donc, il faut essayer d'exorciser sa peur. Non, je suis totalement serein sur ce plan-là. Je trouve que c'est bien, j'ai fait un joli parcours déjà. J'ai des amis qui sont morts à 50 ans, 55 ans. J'ai une chance extraordinaire d'être arrivé à l'âge que j'ai et j'espère bien aller encore plus loin. Et comme on n'a pas trouvé d'autres moyens de vivre longtemps, qu'on n'en a pas trouvé d'autre que de devenir vieux, c'est comme ça, oui, il n'y en a qu'un. Donc il faut accepter. Et chaque année qu'on gagne, je trouve ça formidable. Et si je revois à nouveau les feuilles au printemps, je dirais, ça c'est bien, c'est un joli cadeau. Et si je peux encore plonger dans une piscine dans 2 ans, je dirais, ça c'est formidable, c'est un joli cadeau. Et si je peux encore marcher dans 25 ans, je dirais, ça c'est un cadeau formidable. Quoi. Voilà. Attendez, 25 si on n'est pas obligé ans. De me porter. Non, oui, pas dans 25 ans, mais enfin disons dans 20 ans. Vous aurez passé la centaine, là. Non, dans 20 ans, j'en aurai 94. Non, pas encore. J'aurai l'âge de mon père quand il a disparu. Chez les Amadou, on vit vieux en plus. Il y a quoi après la mort ? Ça, honnêtement, je pense que c'est une conversation, c'est un sujet qu'il est difficile d'aborder parce que nul n'en sait rien. Nul ne le sait. Et alors on peut espérer qu'il y ait quelque chose parce que c'est vrai que ce serait trop triste de disparaître comme ça et de ne pas à un moment donné... ce serait formidable. Moi, je veux bien revenir dans 200 ans, dans 2 siècles, sous une autre forme, dans un autre pays, sous une autre forme. Attention, pas quand même en scarabée ou en scorpion, parce que ça, je m'ennuierais comme un rat. Mais je veux bien. Mais question, qu'est-ce qu'il y a ? Si on répond à ça, on répond fatalement d'une manière totalement osée, puisque personne ne peut apporter de preuves. Donc je vais vous dire, bon, c'est vrai, il va y avoir sûrement quelque chose après la mort. J'en sais rien, et personne n'en sait rien. Et donc cette question, on ne peut pas y répondre. Personne ne peut y répondre avec certitude, parce que personne ne le sait. Et le jour où quelqu'un reviendra, alors là, formidable, parce qu'il fera une conférence à Pleyel, alors ça, j'irai. Alors je vous ai demandé, Jean, d'apporter un objet auquel vous tenez, que vous pourriez léguer, par exemple, à votre fille. Et vous nous avez apporté quoi ? Je vous ai apporté cette montre que je porte toujours en permanence, que je vais même vous montrer comme ça, qui est une montre que j'ai offerte à mon père pour ses 80 ans, qu'il a portée pendant 13 ans, et que j'ai récupérée sur son lit de mort, et que je porte depuis. Voilà. C'est comme son alliance ne m'allait pas, et que je n'ai pas d'alliance en plus, que c'était la seule chose que je puisse porter, comme je dois énormément... de choses à cet homme qui m'a appris infiniment de choses et que m'aperçoit vraiment qu'il a été pour moi d'une importance absolument capitale.
j'ai cette montre avec moi et chaque fois que je la regarde, je me dis c'est celle qui l'a regardée pendant 13 ans. C'est un bel objet et un joli souvenir aussi. Puis le temps qui passe et qui nous rapproche inexorablement. C'est le temps qui passe et puis bon, je la porterai. Peut-être ma fille la récupérera comme je l'ai récupérée sur le corps de mon père. Mon invité aime l'histoire avec un petit H, celle qui fait notre vie de tous les jours et qu'il sait rendre mordante en quelques phrases bien senties. Mais il aime aussi l'histoire avec un grand H et nous allons notamment parler de la Troisième République. Alors la Troisième République, 65 ans d'histoire de France qui ont vu défiler de grands noms et de guerres mondiales, c'est pas rien la Troisième République. Pour moi c'est la plus grande des cinq républiques, c'est la plus belle. Parce que elle a, d'abord c'est elle qui a vraiment créé la République, la première étant Mortenay, assassinée par Bonaparte le 18 Brumaire, la deuxième pratiquement Mortenay assassinée par le neveu en décembre 51, et donc la troisième a affirmé la République, c'est vrai des hommes étonnants, elle a traversé des crises terribles qu'elle a réussi à surmonter, ce qui prouve qu'elle a été forte. L'affaire Dreyfus, ça a été quand même une crise terrible et qui l'a secouée d'une manière étonnante et qu'elle a surmonté. Boulanger, le boulangisme qui a failli l'abattre, elle a surmonté ça, elle a surmonté la guerre de 14. Et puis bon, elle s'est éteinte d'une maladie à Vichy par anémie dans les villes d'eau. Elle encore, d'ailleurs, avec un militaire qui l'a un petit peu violé. Mais bon, ça a été une très très grande, avec des hommes formidables, vraiment, des hommes qui ont créé la République, dont certains sont connus, bien entendu, Clémenceau, Gambetta, Poincaré, Jaurès, et puis des hommes moins connus, qui ont fait qui ont eu un rôle essentiel, Valdez-Crousseau au départ, Delcassé, ministre des Affaires étrangères, qui a renoué les liens avec l'Angleterre, qui était... Ce qu'on oublie maintenant, on a des problèmes avec les Anglais, avec les Américains, mais c'est rien par rapport à ce qui s'est passé entre la France et l'Angleterre au moment de la guerre des Bourses et au moment de Fashoda, par exemple. On a été au bord de la guerre, je veux dire. Et il y a eu des hommes. Alors, il y a eu deux choses qui s'est passées. D'abord, parce que des hommes comme Delcassé ont repris le coin. Et puis, il y a eu surtout la reine Victoria qui venait passer ses vacances à Nice. Parce qu'elle adorait ça, elle adorait la Côte d'Azur, et qui a dû dire à ses premiers ministres, calmons, on se calme un peu, parce que si je suis en guerre avec les Français, je ne pourrais pas aller à Nice, donc vous m'arrangez ce coup-là. Et c'est vraisemblablement aussi, parce que ça compte, hein, ces petites choses comme ça. Vous savez, on dit beaucoup la politique, il y a les grandes affaires internes, puis il y a les rapports humains entre deux êtres. Bon, il est certain, par exemple, que Bush et Chirac, ils sont tellement éloignés l'un de l'autre, qu'ils auraient beaucoup de peine à se comprendre, alors qu'il y a eu des feelings, si vous voulez, entre Giscard et Schmitt en Allemagne, je veux dire, entre des gens comme ça, entre De Gaulle et Adenauer, il y a eu un vrai feeling de deux êtres qui se sont compris. Bush et Giscard, il y en a un qui doit dire, ce Texan, je le supporte pas, et l'autre, qu'est-ce que c'est que ce mec? Et donc, ça joue. À partir du moment où vous avez un rapport humain fort, les rapports internationaux deviennent plus faciles. La Troisième République, c'est également une république qui a vu la découverte du radium par Pierre et Marie Curie. Toutes les grandes découvertes scientifiques, ça vous intéresse? Toutes les grandes découvertes, c'est la Troisième. Enfin, ouais. Je veux dire, les grandes découvertes, à part le chemin de fer qui était né avant, la Troisième a apporté une immensité de découvertes. La radio, tout ça, et la télévision qui est née sous la Troisième République. Elle est née, il faut pas oublier que la télé est née en 36, hein. Il y avait déjà des petits postes de télévision, pas terrible, mais enfin bon, ça existait, il a été inventé à cette époque-là, la radio, l'aviation, bien entendu, Lindbergh, la traversée de l'Atlantique, c'est 1927, elle a vu naître elle a eu Pasteur, elle a eu des écrivains formidables, de Proust à Apollinaire, elle a eu tout, cette République. Elle a eu la belle époque, ce qu'on appelle à l'époque, qui n'était pas la belle époque pour tout le monde, hein. Faut faire très attention quand même. C'était pas la belle époque pour tout le monde, parce qu'il y avait encore... Mais elle a apporté des lois sociales formidables. Le Front Populaire, qui a quand même les congés payés. Donc ça a été une avancée avec des hommes qui se sont orientés petit à petit. Il faut pas oublier quand même comme Clémenceau, par exemple,
était au début de sa carrière à l'extrême gauche. Monceau en 1870, quand il est maire de Montmartre, Arlette Laguiller est plutôt centriste par rapport à lui, vous voyez. Et il vient petit à petit sur l'échiquier politique à un centrisme combatif. Il est ministre de l'Intérieur en 1905. Il y a des troubles, il les réprime. Parce que c'est le boulot du ministre de l'Intérieur. Et que tout ministre de l'Intérieur doit oublier à un moment donné ses origines. C'est un message, ça ? Non, c'est pas un message. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Même les ministres de l'Intérieur de gauche aujourd'hui ont toujours, à un moment donné, on leur a dit, on brûle une maison, ben, faut envoyer le pompier. C'est ça. Et Clémenceau l'a fait. Moi, j'ai une admiration sans borne pour Clémenceau, comme j'en ai une pour Jaurès, d'ailleurs. Et pourtant, Dieu sait s'ils se sont affrontés. Parce que Clémenceau disait, en parlant de Jaurès, qu'on reconnaît le discours de Jaurès au fait que tous les verbes sont au futur. Ben oui, mais parce que... Ils n'avaient jamais accédé au pouvoir, donc ils parlaient tout le temps en disant « ça sera comme ça, ça sera comme ça ». Bon, ça n'a pas tout à fait été comme ça quand ils ont pris le pouvoir, mais après tout, c'est bien d'avoir l'espoir. C'était des hommes formidables. Et même ceux d'après qui ont été des hommes étonnants. Léon Blum a été un personnage assez extraordinaire dans la vie politique française. Et Riot a été un homme. Mandel a été un grand ministre de l'Intérieur et on l'a su de sort qu'on lui a réservé. Non, il était assassiné, Mandel, par la milice à la fin de l'occupation. C'était une très très grande république. Je trouve que la quatrième, après, a été une réplique bien palote, il faut bien le dire. Et puis la cinquième, la cinquième est une monarchie républicaine, alors c'est tout à fait différent. Ou une république monarchique, si vous préférez. Donc c'est un peu différent et c'est pas tout à fait la conception que j'ai de la république. Moi je suis un vieux républicain et je sais pas tout à fait ça. Mais on sent que vous avez des idées bien posées. Là, on a parlé du passé et même du présent. Oui. Si on vous donnait l'opportunité d'aller dans le futur, dans 200, 300 ans, vous le feriez ? Avec une machine, voilà, etc. Vous iriez dans le futur, voir à quoi ça ressemblerait ? J'ai pas tort, excuse-moi. Si on allait dans le futur, si on pouvait aller dans le futur, oui. Vous iriez ? Si on vous permettait d'aller dans le futur, vous iriez voir ? Vous qui aimez tant l'histoire. Si on me donne à choisir entre aller dans le futur ou aller dans le passé, je vais dans le passé, ça c'est sûr. Ça c'est clair. S'il y a des choses que j'ai envie de voir, voir comment ça s'est passé, j'ai envie d'être, moi, le 14 juillet 1789, j'ai envie d'être Faubourg Saint-Antoine, hein, il n'y a pas de doute. Mais si j'ai envie d'aller dans le futur, oui, mais pas un futur très 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 éloigné, si vous voulez. Pense que j'aimerais voir comment vont se passer les 40 prochaines années ou les 50 prochaines années. Oui. Si on me dit d'aller en 3050, ça m'intéresse pas beaucoup, parce que je pense qu'à ce moment-là... Bon, est-ce que la planète existera toujours ? Je ne sais pas. De la manière dont on la traite, il se pourrait bien qu'elle ait disparu. Et puis, ça me fait toujours marrer, moi, quand je lis des... Vous savez, c'est dire comment vous vivrez dans 20 ans ? Régulièrement, ils se plantent. Régulièrement. Et ça ne s'est jamais passé. Quand vous lisez ce qu'il dit, son écrivain en 1960, comment sera l'an 2000 ? Ça n'a rien à voir. Enfin bon, le fait que les experts se trompent en France, c'est quand même pas un scoop. On terminera sur ces bonnes paroles. Merci Jean. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. C'est un certain Albert Einstein qui a dit ça. C'est un homme de valeur que je reçois ce soir et nous allons découvrir de quelle valeur il se réclame. De quelle valeur vous avez hérité, vous, de votre famille déjà ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un père assez surprenant qui était un inspecteur des PTT au bureau de tri de Lyon-Gare. Il travaillait la nuit. Mais qui est un homme qui a, d'abord, c'est une génération extraordinaire, parce que c'est une génération qui a tout vu naître, pratiquement. Il n'y aura peut-être pas dans l'histoire de l'humanité une génération comme celle de mon père qui auront vu autant de choses. Parce qu'il a vu, il est allé se coucher quand il était gamin à midi avec la bougie. Il y avait deux automobiles dans Béziers, vraisemblablement, qui roulaient, qui faisaient un bruit épouvantable. Et il a vu les débuts de l'aviation, pratiquement. Et puis, bon, à 82 ans, il est rentré d'Istanbul en DC-8, avec repas à bord et cinéma à bord. Il a tout vu naître de la pénicilline, enfin tout. Alors, il y aura des améliorations, mais il a vu la conquête de la Lune, la télé, la radio, tout ça. Et cet homme m'a transmis ça, il a lu énormément, alors que quand il est sorti de son Béziers natal pour venir inspecteur à Paris, il n'avait pas lu grand-chose, il a assimilé un certain nombre de choses et il m'en a restitué. Il m'a donné en plus... l'amour de la politique, parce que c'est lui qui me l'a donné,
c'était un homme de gauche. Donc c'est formidable, parce que moi je ne suis pas un homme de gauche, donc on a pendant 45 ans, on s'est engueulé régulièrement quand on a parlé politique, et heureusement, parce que si on avait été du même avis, on serait ennuyé comme des rats, tandis qu'on a eu, vraiment des conversations extrêmement tendues, extrêmement sérieuses, et en même temps, il m'a appris un certain nombre de valeurs, comme peut-être la tolérance, qui est une valeur fondamentale pour moi. Je suis vraiment quelqu'un de tolérant, je ne considère jamais que les gens que j'ai en face de moi ont tort, fatalement. J'essaie de voir si dans leur même si leur argumentation quelquefois me paraît un peu osée ou curieuse, ou j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose à prendre. Je suis vraiment quelqu'un de tolérant. Je suis quelqu'un de pondéré dans ses rapports avec les autres, même au volant. Je n'engueule quelqu'un que s'il m'engueule moi-même, et encore pas toujours, je réponds pas toujours, des fois j'arrive, plus je vais et plus j'arrive à être insensible à ce que me disent les gens qui sont dans la voiture à côté, qui doivent d'ailleurs par moments me dire que je suis très intelligent parce qu'ils font ça de là-dedans, donc ça veut dire il y en a là-dedans, hein, donc je le sens. Non mais en dehors de ça, je suis quelqu'un qui, et ça c'est des valeurs que mon père m'a apprises, qu'il ne faut jamais être, je crois qu'il m'a appris la tolérance et le scepticisme. Je suis quelqu'un d'extrêmement sceptique. Je suis très difficile à convaincre. Je n'ai jamais eu, comme lui d'ailleurs, une carte de parti dans la poche. Je me réserve le droit de changer d'opinion à partir du moment où les hommes politiques qui nous gouvernent changent la leur. Je me réserve le droit de voter comme je veux voter sans être obligé d'aller... Moi j'adore qu'on me fasse la cour et ça c'est formidable. Pendant les périodes électorales, les hommes politiques vous font la cour. Si vous êtes engagé, si vous collez des affiches, vous allez distribuer des tracts. Moi, au contraire, je reste et je regarde et j'écoute. Et on fait la cour. Bon, après, bon, on le sait très bien, chaque fois que on a voté pour eux, ils font comme les hommes mariés. Après, vous avez promis des tas de trucs, ils ne les tiennent pas. Mais ça, c'est... on est toujours... Les dames le savent très très bien et les électeurs le savent, on est toujours les cocus de l'histoire. Alors vous êtes aussi, et c'est important dans votre vie, un ardent défenseur de la langue française. En 2001, vous avez reçu le prix Richelieu. Richelieu, oui. Qui est un prix, donc... Ça, c'est un prix qui m'a fait infiniment plaisir. Oui, parce que, bon, pour l'expliquer, il défend la langue française. Il a été créé en 1952 par des grands hommes, Jean Cocteau, Jules Romain, Georges Duhamel et Paul Camus. Et là, oui, ça vous a fait plaisir, ça je comprends. Il est décerné chaque année un journaliste ou un chroniqueur qui a le mieux défendu la langue française. Alors, comme je m'astreins à la défendre, cette langue, du mieux que je peux et... parce qu'elle est très attaquée, parce qu'elle est menacée, parce qu'on lui fait des misères, j'essaie de la suivre, de la soutenir, de me référer à ses règles quand je peux. Je trouve que ce prix m'a infiniment fait plaisir. Ça prouve que, mais je l'ai pas fait. Je le fais naturellement. Je le fais parce que c'est un besoin. Que je trouve que c'est une langue admirable. C'est une des plus belles langues du monde. Parce que là-bas, c'est pas pour rien qu'elle a été la langue des diplomates pendant deux siècles. Parce qu'ils savent très bien qu'une langue où il y a autant de nuances que la langue française, ça permet de faire des traités, d'écrire des traités où chacun trouve son bonheur, étant donné qu'on arrivera toujours à dire ah mais ça c'est pas, oui non mais ça veut dire ça, c'est comme ça, et c'est pour ça que c'est une langue de diplomate beaucoup plus que l'anglais. Alors c'est vrai qu'il faut la défendre parce qu'elle est malmenée actuellement. Et puis je crois que tout le monde nous envie notre imparfait du subjonctif. Ah mais oui, mais ça, l'imparfait du subjonctif, alors il faut pas en abuser bien sûr, mais de temps en temps, bien placé et placé à bon escient, c'est-à-dire comme là où il doit être. C'est superbe. Et puis, il y a des poètes qui sont admirablement servis. Je veux dire, il y a, faut pas oublier ces vers de Corneille qui réussit quand même. Il faut avoir du génie pour écrire ça. Deux imparfaits du subjonctif dans un seul alexandrin, sans que ça fasse lourd. Vous connaissez ce vers. Si Chimène se plaint qu'il a tué son père, il ne l'eusse pas fait si je l'eusse pu faire. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est pas lourd. Non. Il y en a deux. Et puis, il y a même le passé composé, le passé simple, qui est superbe. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord, vous fûtes laissé, Racine. C'est beau. Et à l'oreille, il y a une musique extraordinaire. Alors, pourquoi se priver de ce genre de choses quand on peut l'utiliser? Alors, bon, faut pas mettre, peut-être au XVIIIe siècle, ils en ont un peu abusé par moment. Parce qu'il lui fallut que je les gratignasse, c'est pas très joli, c'est vrai. Bon, ça fait un c'est peu rigolo, à défaut d'être joli. Mais s'il est bien placé, il n'est pas déplaisant, forcément. Alors vous aimez les belles phrases. Vous avez des belles phrases comme ça qui vous accompagnent tout au long de la vie, qui vous tiennent compagnie. Des belles phrases sont pas forcément il y a deux phrases que j'adore, mais qui ne sont pas forcément des belles phrases. Ce sont des phrases explicites. Alors j'ai pas
j'ai pas de devise parce que ça sert à rien de plus d'avoir des devises. J'ai remarqué que tous les gens qui ont des devises, en général, à un moment donné, la devise, ça s'effondre. Vous savez, celle de Fouquet était Kuno Asendam, ou ne montrais-je pas, il est descendu jusqu'au cachot de Pignerol quand même, hein, donc ça sert à rien tout ça. Et puis je suis pas noble, donc j'ai pas de raison d'avoir une devise. Mais j'ai deux phrases auxquelles qui m'a toujours paru superbe. La première, c'est une phrase de Talleyrand, qui disait « Il n'y a pas de conviction, il n'y a que des circonstances ». Phrase extraordinaire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les circonstances priment les convictions. Alors oui. C'est bien de se lancer avec des convictions dans la vie, mais c'est toujours par les circonstances que les individus arrivent à ce qu'ils veulent. Et bon, si De Gaulle, il n'y a pas la guerre de 39, De Gaulle finit comme colonel. S'il n'y a pas celle de 14, Pétain prend sa retraite comme colonel. S'il n'y a pas l'exposition d'Égypte, Bonaparte ne devient pas ce qu'il est. Donc, c'est la circonstance qui crée, à un moment donné, les choses. Alors, il l'a vu. En politique, il n'y a pas de concept, il n'y a que des circonstances, il n'y a pas d'excès. Donc, c'est ça qui est formidable. Et la deuxième, c'est une merveilleuse phrase d'un homme qui est très peu connu actuellement, oublié en tout cas, qui s'appelait Henri Queuille, qui a été ministre de la Troisième et président du Conseil de la Quatrième, et qui a eu cette phrase étonnante. Il a dit, en France, il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Phrase étonnante, je veux dire, et qui a été mise en application par tous les gouvernements qui se sont succédés. C'est exactement ce qu'a fait Jospin pendant 5 ans quand on lui parlait des retraites. Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. C'est-à-dire, ça, on va faire une commission, deux commissions, et puis ça s'arrangera à un moment donné, et puis à un moment donné, fatalement, ça explose. Mais je trouve que c'est une phrase d'un cynisme extraordinaire. Merci beaucoup, Jean. Le jeune homme que je reçois est un homme de médias, il a fait les beaux jours de la télévision. Vous pouvez l'entendre aussi sur Europe 1 où il délivre son billet d'humeur. Et puis il est même sur Internet. Cherchez bien, vous allez découvrir son effigie sur des faux billets de banque d'une république qui n'existe pas. Alors vous avez le regard affûté, les oreilles toujours aux aguets. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'univers audiovisuel français ? Oui, parce que j'en ai fait partie et je fais moins de télévision que j'en ai fait une époque. Enfin, je veux dire, je n'ai plus d'émissions à moi que régulière et que j'ai animées. J'en ai fait quelques-unes, mais bon, il y a eu une évolution. Bon, je dirais, l'évolution est un petit peu normale étant donné qu'on est quand même sur ce plan-là très axé sur les Américains. Et que tout ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver en France ou en Angleterre 5 ou 6 ans après. Et c'est vrai que ce qu'on appelle la télévision People était déjà fabriquée aux États-Unis, que fatalement elle devait arriver en France. Si vous allez aux États-Unis aujourd'hui et que vous regardiez la télévision, vous avez à peu près ce que vous aurez dans les programmes français dans 5-6 ans. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Moi, par goût, si vous voulez, sinon, faut pas essayer de passer pour un vieux con. Je préfère un petit peu aussi. J'aurais préféré le temps de la caméra explore le temps. Mais bon, il faut vivre avec son temps. Ça sert à rien de dire je préférais ma bonne vieille automobile à pétrole. Non, bon, vivre avec son temps, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Alors, est-ce que ça veut dire que si on vous proposait une très forte somme d'argent pour rejoindre les petits jeunes Européens de Nice People, vous iriez ? Non. 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 Ce serait drôle, non ? Non, j'irai pas parce que c'est pas un truc. Je vois pas ce que j'irai faire. Je m'ennuierai comme un rat mort et que j'ai pas envie de m'ennuyer. Courteline disait une chose très jolie. Il disait il y a un âge où on n'a plus le droit de se laisser emmerder gratuitement. Et je suis arrivé à cet âge-là, donc je ne vois pas pourquoi j'irai m'ennuyer. J'ai tout regardé. Je regarde tout parce que je veux savoir. Donc j'ai regardé Love Story, j'ai ouvert mon compte, j'ai regardé 20 minutes, j'ai dit très bien, c'est pas pour moi, j'ai fermé, je suis plus revenu. J'ai regardé une fois Nice People, j'ai essayé de voir pour voir ce que c'était. Ça m'intéresse pas, c'est tout, je ferme. Je ne porte aucun jugement sur les gens qui le regardent, je ne porte aucun jugement sur la manière dont c'est fait. C'est leur problème, c'est le droit de le regarder, mais c'est pas mon truc. Vous regardez quoi vous alors en télévision ? Je suis beaucoup branché sur les scènes thématiques, c'est-à-dire histoire, fit histoire, planète.
J'ai les chaînes de cinéma parce que bon, ciné classique, j'adore parce que je retrouve des films que j'ai aimés et que j'aime toujours. Les chaînes de TMC, chaînes de cinéma quand je peux regarder le soir, je me fais un film très très volontiers. Et puis bon, je suis branché évidemment. Sur KTO. Je regarde la vôtre. Ah. Mais oui. Je regarde, j'ai mon petit doigt, je zappe, je regarde la vôtre, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, car vous savez que je ne fais pas plaisir gratuitement, et je suis branché aussi sur LCI, parce que comme je ne regarde pas les infos à des heures bien précises, ouais, des journaux de 13h et 20h, je les prends dans la journée pour voir ce qui se passe, et puis aussi sur Eurosport, parce que je ne loupe ni le tennis, ni le football, ni le rugby quand je peux, j'adore le sport, donc quand c'est un beau spectacle, j'adore le sport. Quel est l'animateur actuel ou l'animatrice actuelle qui vous correspond bien, que vous trouvez bien, ou le présentateur de journaux? Je pense que je suis une certaine osmose avec Drucker quand même, parce que je trouve qu'il a formidablement résisté à une certaine usure, et Dieu sait que les émissions, et je suis bien placé pour le savoir, les émissions, ça use, quand elles sont quotidiennes, ça use encore plus, et lui, il a traversé ça, avec, et je crois que parce que c'est un homme strict, rigoureux, et que finalement c'est un mec gentil, tout en étant un patron, hein, je veux dire, mais c'est un mec gentil, Michel, et je crois que ça se sent, et qu'il a passé, je crois que j'ai une certaine, je m'entends très très bien avec lui, on se téléphone pratiquement jamais, on s'appelle une fois par an, on se rencontre une fois tous les deux ans, mais c'est pas grave ça. Ce métier, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, est fait d'une telle manière qu'on passe sa vie avec des gens dont on n'a rien à faire et qu'on ne voit jamais ce qu'on a envie de voir. Ben, c'est comme ça, faut vivre avec. Alors si on vous proposait de remettre une émission de votre choix à l'antenne, de créer un concept, d'abord vous choisiriez la radio ou la télévision et quel serait ce concept? Bon, j'aime bien la télé, j'ai un faible vraiment pour la radio. J'ai fait beaucoup de télé et j'ai un faible pour la radio. Parce que c'est un art très particulier, la radio. Si vous avez, si je sais qu'à Europe, le matin, quand je fais le samedi ou le dimanche ma chronique, si on me dit que j'ai 400 ou 600 ou 700 000 auditeurs, vous parlez 600 000 fois à une seule personne. La télé, c'est un art plus familial. Vous avez les caméras, donc vous vous adressez en plus à un certain nombre de gens qui regardent la télé. La radio, c'est formidable, on le prend, on l'emmène avec soi. Donc, dans le jardin, à la cuisine, à la salle de bain. Moi, à Europe, j'ai des dames qui m'écrivent en me disant « Je vous écoute en prenant mon bain. » Il faut prendre un ton particulier. On ne peut pas parler à une dame qui est dans sa baignoire comme on parle à une tribune. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un art de confidence. C'est un art où vous faites imaginer aux gens quelque chose au lieu de leur montrer. Et j'aime beaucoup la radio à cause de ça. C'est là où vous parlez des gens dans leur voiture. Vous leur parlez, ils sont sur la route. Et bon, alors donc je pense qu'à choisir entre la télé et la radio, je prendrais peut-être une émission de radio. Et ce serait quoi cette émission? Il y a une idée que je traîne depuis longtemps, que je finirais bien un jour par faire évoluer, et peut-être aboutir, c'est encore un truc qui a rapport à l'histoire, c'est-à-dire de faire d'interviewer aujourd'hui, en 2003, des personnages historiques, pour qu'ils donnent leur avis sur notre époque, en supposant qu'ils soient au courant de ce qui se passe aujourd'hui. C'était très rigolo d'interviewer Jaurès sur les grèves que nous avons aujourd'hui, ou sur l'évolution du Parti Socialiste en 2003. Vous êtes conscient qu'il y a un petit problème technique quand même pour cette émission? Et oui, il faut prendre un comédien qui joue Jaurès. Ah voilà, on est d'accord. Voilà, vous prenez un comédien et vous lui écrivez un texte, et de gens, il y a des tas de comédiens qui le feront très très bien, d'interviewer, je dis n'importe quoi, Jules César sur la tactique de la guerre en Irak, par exemple. Et ça s'appellerait comment, cette émission? J'ai pas trouvé de titre encore, mais le titre, c'est ce qu'on trouve au dernier moment. Quand j'écris un bouquin, je trouve toujours le titre dans les 15 derniers jours. Je m'occupe jamais du titre. Je fais le bouquin d'abord, et je sais qu'à un moment donné, le titre viendra. Donc on trouvera toujours un titre, c'est pas un problème. Ce qui est difficile, c'est de faire aboutir l'émission, ça c'est autre chose. J'ai une deuxième idée, vous voulez que je la donne? Oui. Si, avec un point d'exclamation. Et vous développez un événement, ce qui serait passé si cet événement était passé. Si De Gaulle avait été assassiné au Petit Clamart. Et derrière, vous faites 35 minutes avec des comédiens qui jouent une situation pour savoir ce qui se serait passé entre Pompidou, Premier ministre,
voir comment, si Napoléon avait gagné Waterloo, si... Là, c'est la porte ouverte pour refaire l'histoire. Pour refaire l'histoire. Ouais. Et avec des historiens qui, après, viennent contester en disant, non, ça ne serait pas passé comme ça si Hitler avait été assassiné à l'attentat de juillet. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas d'ouvertures comme ça, mais il faut écrire derrière 20 minutes pour des comédiens qui exploitent ce côté basculement de l'histoire. Et puis des historiens sérieux comme le roi Ladurie, qui est un homme merveilleux et qui viendrait dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait, ça ne serait pas passé comme ça. » Je trouve vos deux idées géniales. Genre, va falloir bosser, hein, arrêter d'écrire des bouquins un petit moment et bosser sur ces concepts. Et puis, on en reparlera. Si vous le mettez à l'antenne, on en reparlera. En tout cas, je vous souhaite que ça marche. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans cette émission. Cher Emmanuel, ça a été un plaisir pendant toute cette semaine d'être avec vous. Ah ben, merci beaucoup, Jean. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.